J'ai été me servir dans ton compte en banque. Ton compte en banque de quoi? Un Animal Crossing. Quoi? J'avais plus de thunes. Konnichiwa l'équipichi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons et aujourd'hui, eh bien, let's play, on n'est pas sur mon île, ni hémisphère sud, ni hémisphère nord, on n'est ni sur Kibi Island, ni sur Chibi, on est sur Whitsunday, c'est l'île de mon chéri Roro, tout simplement pourquoi? Parce que j'ai plus une thune, donc je me suis dit que j'allais me servir chez lui parce que je sais qu'il est blindé, il a plein de clochettes et puis on va en profiter également pour s'occuper un petit peu, on va aller voir ses habitants, est-ce qu'ils sont toujours là ces habitants, est-ce qu'ils se sont pas tous transformés en Ramsès, on va peut-être aller leur offrir des cadeaux à tous et puis on va aller désherber et puis je vais vous faire visiter son île aussi parce qu'il y a peut-être des personnes qui connaissent pas encore son île et donc voilà, pour l'instant on est au bulletin insulaire de Marie et d'ailleurs si vous passez par ici, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, comme ça vous loupez pas les lives et les vidéos, et surtout aussi des petits pouces bleus, plein de petits pouces bleus. Bref, donc qu'est-ce qu'elle nous dit Marie? Bonjour à tous, chers résidents de l'île. Ok, en ce jeudi 7 janvier 2021, il est actuellement 9h03 sur notre belle Whitsunday. Je n'ai pas de grandes nouvelles pour vous aujourd'hui, mais j'aimerais vous parler d'un sujet de saison. Brrr, quel froid glacial aujourd'hui encore. Mais quel meilleur moyen d'oublier le froid que d'aller s'amuser dans la neige. Si vous sortez, faire un tour, chercher des boules de neige et poussez-les délicatement. Une fois qu'elles ont atteint une bonne taille, empilez en deux pour créer un yétiti. Je compte sur vous pour en mettre partout, je veux voir vos chefs-d'œuvre en me promenant demain. Ok Marie, c'est cool. Bon, bah là, rien de spécial à nous dire. Il n'y a pas d'habitants. On n'a pas de visiteurs au camping. J'espère qu'ils vont bien, ces habitants. Vraiment, j'espère qu'ils vont bien. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ça fait longtemps, hein. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas allumé, qu'il n'a pas allumé la console. Mais c'est pas grave. On va s'occuper de ça. À mon avis, d'ailleurs, plein de cafards chez lui. Ce que je peux commencer par vous faire, c'est vous montrer la carte de son île. Donc voilà, on est... Hop, hop, hop. Donc, on est sur Whitsunday, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose de fait, mais vous allez voir, il y a des endroits qui sont quand même incroyables sur son île. En plus, Roro, voilà, il n'a pas, pas eu le temps de rejouer, du coup, bon bah, voilà. Mais regardez-moi ses habitants, il n'a que des habitants de ouf. Bon, à part Magogo, il y a Magogo, il y a Patty, il y a Matteo, il y a Noémie, il y a Neferti, il y a Rosanne, Rosanne c'est son habitante préférée. Il a Lico, il a Laura, il a Jennifer et il a la jolie Monica. Franchement, ces habitants, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de ces habitants. Moi, je mets un bon petit 9,8 sur 10 à ces habitants. Il y a juste Magogo. Franchement, en vrai, il est super mignon, gentil et tout. Mais bon, il y a un moment donné, Roro, si tu veux, je peux aller chasser pour toi, hein, pour te le remplacer. Hein. Tu me dis qui tu veux et je vais te le chercher avec grand plaisir. Alors, on va regarder un peu ces Maes Nook Plus. Non, c'était pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok. Bon, on lui récupère 3000. On lui récupère. Ok, ça c'est cool. Bah, c'est parti. Vous savez quoi? Je vais vous faire la visite un petit peu. Donc, ici, il y a un atelier. Donc, ouais, c'est un atelier un peu Brawl Star. C'est un atelier un peu Brawl Star. Mais voilà, ici, eh bien, il a son atelier pour faire du bricolage. En vrai, c'est cool, j'aime beaucoup cet endroit-là. Sa maison, en fait, comme vous pouvez le voir, elle est tout au fond de l'île. Elle est jolie, elle est bleue, parce que Roro, il adore le bleu. Ici, il a sa petite plage privée. En fait, bah, tu peux venir te poser comme ça et tout. Regarde, t'es au calme. Petite plage privée qui donne... Voilà, il a son petit flamant rose. Ça doit être un monsieur flamingo juste à côté. Au top. Ici, il a son terrain de basket. Voilà, si t'as envie de te taper, de faire quelques paniers, bah voilà. Il y a beaucoup de roses dorées. Parce qu'il adore les roses dorées. Donc, il voulait recouvrir son île entièrement de roses dorées.
Et bah, il n'a pas fini, mais c'est pas mal. Et regardez, la rose rouge que vous voyez tout en haut, eh bien, c'est la toute première rose rouge hybride qu'il a eue sur son île. Et bah, franchement, je trouve que ça claque. Et je trouve ça génial et une super bonne idée d'avoir gardé cette rose-là en souvenir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça claque de ouf. Ça claque de ouf. Bref, et bah, c'est parti. On va prendre ce chemin-là. On peut passer par ici... Et ben vous savez quoi ici, vous avez son musée, regardez, il a mis des petites œuvres d'art et tout, très très sympa, très très épuré. Roro il aime bien les choses qui sont épurées, hein. Les petites cascades comme ça qui descendent, en vrai je trouve ça très sympa. Hop là, ici tu peux te poser, tranquille, puis t'as la petite machine à boisson, à snack à côté, voilà c'est un petit creux, tu peux te grignoter quelque chose. En face, on a carrément, on a un Pizza Hut, les chéris, regardez-moi ça. T'as envie de te faire une pizza? Et ben sur l'île de Roro, sur Whitsunday, tu peux venir t'installer et commander une pizza. Est-ce que ça, ça déchire pas? Franchement, est-ce que ça déchire pas? Moi, je trouve que ça déchire de ouf. En tout cas, gros GG parce que moi, j'adore. J'aime trop comment il a fait, t'as la caisse là juste derrière et tout, franchement ça claque de ouf, regardez-moi ça, c'est four à pizza avec les pizzas à l'intérieur, ça donne grave la dalle. Et puis bah là tu peux te manger aussi des pâtes parce que chez Pizza Hut tu manges pas que des pizzas, tu peux manger aussi des pâtes. Ok, voilà t'as le petit stand si t'as envie de te prendre une pizza ou un plat à emporter. Bien cool, voilà son Pizza Hut et juste à côté, regardez-moi ça, t'as envie de faire les boutiques? T'as envie de t'acheter des nouvelles sneakers, et ben voilà, t'as la boutique Nike qui est juste ici. T'as aussi, ben voilà, après tu peux te prendre un petit sweat, un petit hoodies. Franchement ça claque, t'as les petites lunettes de ski là, voilà, si tu pars au ski, les lunettes en mode sport, regardez-moi ça les sneakers, elles claquent hein. Est-ce qu'il claque pas son petit magasin Nike? Franchement il claque de ouf. Et puis vous savez dans les magasins Nike on a toujours le panier de basket où tu peux faire, tu peux t'amuser quoi, c'est cool. Alors après, juste à côté, eh bien, nous avons la boutique Apple. Si t'as envie de te prendre le dernier iPhone ou si t'as envie de changer d'iPad ou de te prendre un petit MacBook ou ce que tu veux, eh ben, tu as juste ici, regardez-moi ça, on a la boutique Apple. Franchement, GG. J'adore venir sur son île, ça faisait longtemps que j'étais pas venue, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire hein, vraiment ce que vous pensez de son île dans les commentaires, en tout cas moi j'adore, elle est hyper moderne, donc voilà il manque encore des petites choses, elle est pas finie son île, mais voilà je le rappelle, il a pas le temps de finir parce que ça prend énormément de temps, vous le savez tous, de jouer à Animal Crossing et surtout de faire de la déco, et là t'as un petit creux. T'es passé devant Pizza Hut, t'avais pas envie de trop te faire une pizza, et bah tu peux te faire un McDo. Voilà, tu peux t'installer, tu peux te prendre ton petit Big Mac, je sais pas ce que vous mangez. Moi j'adore le triple cheese, c'est mon sandwich préféré avec des frites, sauce de luxe. Enfin, j'adore la sauce de luxe, c'est ma sauce préférée. En tout cas, voilà, t'as envie de te grignoter un petit McDo, et bah tu peux, c'est faisable. Voilà, alors on va retourner au bout parce que il y avait une autre boutique que j'avais envie de vous montrer. Regardez, on voit l'insigne, je sais pas si vous connaissez tout Starbucks, mais voilà, il y a un Starbucks également sur l'île de Roro, donc si t'as envie de te faire un petit café ou un petit frappé, et bah tu peux te faire un petit Starbucks, et voilà, t'as des gâteaux aussi, parce que voilà, chez Starbucks, on sait qu'il y a plein de choses. Et bah tu peux aussi, c'est cool, c'est méga méga cool, regardez-moi ça, est-ce qu'il est pas magnifique ce Starbucks? Moi franchement je kiffe. Hop là, tu peux venir avec tes potes, tu te poses tranquille, en plus il y a du wifi, donc tu peux aussi jouer à Animal Crossing avec tes potes dans le Starbucks, je sais pas, hein, j'imagine comme ça. Et bah du coup on va commencer à ramasser un peu la mauvaise herbe, parce que je pense qu'à mon avis il doit y avoir masse de mauvaises herbes sur son île, vu que ça fait très longtemps. Donc ici il n'y a pas grand chose, il y a juste les plages qui n'a pas aménagé. Ensuite, ah oui, on a un endroit qui était sympa ici, que je vais vous montrer. Et ben voilà, il a gardé un exemplaire de chaque fleur. Donc il y a une couleur de chaque et une espèce à chaque fois de fleurs différentes. Donc voilà, on a les jacinthes, on a les cosmos, on a les tulipes, les roses, les lys, les pensées et tout et tout. Oh, coucou Patty, on va lui parler. Je sens ton regard sur moi et ça me met la pression. Attendez, on lui reparle. Rien à faire, ça ne mord pas ma fraise. Oh, elle dit ma fraise. Oh my god, c'est trop cute, j'aime trop. Ah là là, elle est trop mignonne.
Ok, et bah vous savez quoi, on va continuer à ramasser les mauvaises herbes. Donc vous avez vu, toutes les maisons de ses habitants sont juste ici. Pourquoi pas peut-être, hein, je pourrais voir avec lui si on pourrait un peu réorganiser son île, je sais pas trop. Bon, je dois déjà rush sur toutes mes îles, c'est un peu compliqué tout ça. Et il y a un endroit aussi que je vous ai pas montré, juste derrière ici pour tous les fans de Brawl Stars. Et ben ici, tu peux venir jouer, faire un Brawl Ball. Ça va, je pensais qu'il y avait plus de mauvaises herbes que ça. En vrai, franchement, ça va. Donc voilà, il a recréé une map de Brawl Stars. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est super cool. On va tout nettoyer ici, comme ça sera tout propre. Et comme ça, son île, elle sera... Et ça y est, d'ailleurs, si vous aimez qu'on vienne sur l'île de temps en temps de Roro, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On reviendra peut-être plus souvent pour parler à ses habitants et puis pour entretenir un petit peu. Parce que voilà, ses habitants, ils doivent se sentir seuls, hein, les pauvres. Et puis, on pourra peut-être aussi essayer de rush les mimiques, parce que Roro, il a pas toutes les mimiques. On regarde un peu toutes les... ce qu'il a. Ah ouais, il a pas du tout toutes les mimiques, hein, regardez ça. Il lui en manque plein. On peut déjà aller lui acheter celle qu'il y a dans le Nookstop. De toute façon, on va dépouiller un petit peu son compte en banque, hein, son DAC. Hein. Donc en vrai, on peut aussi au passage lui acheter des nouvelles mimiques, hein, ça peut être cool. Mais donc voilà les mimiques qu'il a. On peut essayer de rush ces mimiques, hein, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous le rappelle. Ok, sur les plages ici, il n'y a rien de particulier. Je regarde s'il n'y a pas les bouteilles à la mer. Hop là, on va ramasser ici. Donc, alors attendez. Ici on arrive, on est devant son dodo airline. Il a son dodo airline qui est jaune. On arrive, on a ces deux gros robots comme ça. Ils sont super, franchement ils claquent de ouf ces robots. Et donc on arrive sur sa place. En mode très Beverly Hills, hein. Il a mis des petits panneaux d'ailleurs pour annoncer que c'était un peu en mode Beverly Hills, avec les palmiers et tout, je sais pas si vous avez déjà été en Californie, enfin à Beverly Hills, mais il y a plein de palmiers partout, et bon voilà, je pense qu'il a voulu faire un petit peu la même chose, et puis bon, les boutiques et tout ça, c'est très Beverly Hills. Bref, on va parler à ma gogo, hein. Roro, est-ce que tu me vois? Ça fait 7 mois que je me demande si je suis pas devenue un fantôme. Oh non! Oh, c'est triste! Le pauvre! Je te regarde tout le temps, mais toi, tu m'ignores. Oh! Mais c'est affreux! Oh, le pauvre, il me fait trop de la peine. J'ai pas envie qu'on vienne, du coup. C'est pas une façon de me traiter. Un copain de casse-croûte, Liane. Ah, il dit Liane. Oh, c'est nul. C'est pas terrible. Ok, non mais bon, ça va. Refais ton sport, mon petit magoco. Ok, ici, qu'est-ce que je peux... Ah bah regardez, il y a Néferti. Il y a la Néferti de son île, on va lui parler. Roro, je me disais justement que je ne te voyais pas beaucoup en ce moment. Ça doit bien faire 6 mois, non? Je commençais à croire que tu m'évitais. Oh my god, les pauvres, on va leur offrir des cadeaux, hein. On va leur offrir des cadeaux, on va essayer de les réconforter un petit peu. Ça me fait grave de la peine. Alors ici, je vais vous faire visiter aussi. Alors Roro, pour faire toutes ces roses or, il a créé un champ gigantesque. Regardez. Oh, regardez, il a créé un champ gigantesque pour faire les roses dorées. Bon là, il s'est tout rempli, évidemment, hein. Mais faudrait qu'on enlève, je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a tellement, c'est un truc de dingue. Oh, c'est incroyable, vous avez vu ça, son champ, il est immense, hein. Et donc au milieu de son champ, voilà, si t'as envie, entre deux petits arrosages et puis machin, si t'as envie de venir te poser, et bah tu peux te poser comme ça, t'as un petit endroit, t'as un petit étang si t'as envie de pêcher, et puis si t'as soif, et bah tu peux te prendre une petite boisson. Voilà pour son petit champ, son immense champ à Roro. Hop là, on va ramasser les mauvaises herbes qui sont juste ici. Ok, voilà, c'est parfait. Son camping, il est juste là. Ensuite, on a sa boutique des petits nains qui est juste ici. La boutique des sœurs d'oies fait juste là. Et on a tous ses habitants qui sont alignés. Oh bah regardez! Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être aller leur acheter des trucs. Est-ce qu'il y a des trucs dans son inventaire, Roro? Ok, ça tombe bien, il a rien. Il a de l'argent, par contre. Donc ça, c'est cool. On va passer chez les nains, voir si on ne trouve pas quelque chose. Hé hey, coucou les petits nains de chez Roro. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? On va acheter peut-être... On va acheter ça. On va offrir des cadeaux à tous ses habitants. Comme ça, au moins, ils ne seront pas jaloux. Un frigo américain. Ah non, ça coûte peut-être un peu cher, ça. Ah non, 60 000, ça te tente. Ok, vas-y, j'achète. Ok, ça c'est acheté, j'aurais pas du tout assez, c'est pas grave. On va acheter le banc de muscu, je sais pas si je vais avoir assez.
Ok, le banc de muscu. Non, j'ai pas assez. Bon, vous savez quoi? Eh ben, je vais aller récupérer la thune. Et puis, je vais aller récupérer la thune. Ben, vous savez quoi? On va aller l'ensemble. Ok, je vous ai passé tous les temps de chargement parce que c'est hyper long. On va lui prendre les nouvelles mimiques. Juste ici. Alors, attendez. C'est. Les mimiques sans micmac. Et ben voilà, c'est parti. Comme ça, eh bien, il va pouvoir débloquer les nouvelles mimiques. Et ça, c'est cool. Alors, échanger. Puis en plus, il a plein de miles, donc on peut les utiliser en vrai. Hein. Je pense pas que ça le dérange. T'as imprimé, ok, c'est génial. Hop, il va apprendre le plan. Enfin, les nouvelles mimiques, plutôt. Et ben, ça, c'est parfait. Ok, ça, c'est cool. Et donc, on continue. Et cette fois-ci, on va aller récupérer de la thune. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà... prendre, regardez-moi ça, toutes les clochettes qu'il a, c'est un truc de ouf. Retrait, on va faire montant maximum et on va commencer à dépouiller son compte en banque. Allez, je récupère 3 millions pour l'instant, même plus de 3 millions. C'est magnifique, merci. Non, c'est bon, on reviendra tout à l'heure si on a besoin. Ok, alors attends, tut-tut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer... On va déposer quelques sacs de clochettes ici parce que j'ai pas besoin de tout ça sur moi. Mais c'était pour déjà commencer, eh bien, à récupérer de la thune sur son île. Je vais peut-être prendre deux inventaires. C'est cool, deux inventaires. Et puis j'irai me les déposer sur mon île. On va faire juste 10 places pour les 10 cadeaux des habitants. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 et hop là. Et 10. Voilà, je me suis fait de la place. Qu'est-ce que c'est ça? Le réfrigérateur et un ballon et de la mauvaise herbe. On peut vendre le reste. On va vendre le reste. On garde juste le frigo. Le ballon, peut-être on peut le garder, l'offrir. C'est un peu claqué au sol. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. On va voir. Ok, recoucou mes petits nains, du coup, hop, moi je veux le banc de muscu, il faut qu'on essaye de trouver des trucs qui coûtent cher quand même, hein. Mais c'est pas grave, après, bon, on essaiera d'aviser, hein. Après j'essaierai peut-être de faire des cadeaux plus personnalisés, suivant ses habitants, mais bon là voilà, je connais pas encore tout bien, et c'est un peu en mode freestyle, on va acheter ça, une bouilloire, ouais, vas-y. 710 clochettes, c'est pas incroyable, hein. Vous savez quoi? C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. 710 clochettes, ça va pas. C'est pas assez cher. Et ça, c'est quoi? Le circuit? Combien c'est? Le kit électronique, pardon. À mon avis, 1300 clochettes, déjà, c'est mieux. Et ben, vous savez quoi? On va acheter ça. 1300 clochettes. Alors, attendez, j'ai acheté le frigo. Ça. Ça, je peux en acheter 3. Je vais en acheter 4. Après, on va aller voir le papier cadeau et on ira acheter le reste eh bien, des cadeaux chez les sœurs doigts de fée. Comme ça, on ira voir au passage qu'est-ce qu'il y a de sympa dans sa boutique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en a acheté? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'en ai acheté peut-être un peu trop. Ah non, c'est bon. 4, 5, 6. Le ballon, je ne vais pas l'offrir. C'est un peu claqué au sol quand même. Alors, voyons voir chez Roro qu'est-ce qu'on a comme couleur de papier cadeau. Alors, oh, on a du rouge que j'aime pas et on a du vert. Et ben vous savez quoi? On va acheter que du papier cadeau vert. Hop, 5, oh non, on a acheté 10, évidemment. On va tout emballer et puis on fera au pif pour les cadeaux. Et comme ça, ça sera drôle. Ok, regardez, j'ai déjà commencé à emballer. Du coup, on n'a plus que 4 cadeaux à acheter. Ok, et ben c'est parti, go chez les sœurs doigts de fée. On va voir un petit peu s'il y a quelque chose d'intéressant. Salut! Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va acheter les trucs les plus chers qu'il y a dans sa boutique. Je pense que c'est bien comme ça. Déjà, la veste en haut, elle a 2320 clochettes. Ok. Après, le reste, là, c'est pas ouf. Ok. Je crois que c'est vraiment le truc le plus cher qu'il y a dans sa boutique. Ah ouais. C'est la veste. C'est ça le plus cher. Il nous faut 4 trucs hein, pour qu'on puisse avoir 10 cadeaux en tout. Et ben, go prendre une de chaque. Ouais, en vrai, c'est pas trop mal, hein. Oui.
Ok, les achats sont faits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser juste par derrière, comme ça, en allant récupérer eh bien, les vêtements que j'ai achetés chez les sœurs Doigts de Fée. Je vais pouvoir continuer à vous faire visiter un petit peu son île. Regardez, il a fait une grande étendue d'eau juste ici. C'est super sympa pour pêcher. Regardez-moi ça avec le petit pont comme ça. Hop là, on peut passer comme ça de l'autre côté. Franchement, c'est trop mignon. Et donc, voilà, on arrive juste tout au bout de son île. On n'a pas trouvé la bouteille à la mer, c'est vrai ça. Mais en même temps, je pense que... Je sais pas s'il lui manque beaucoup de plans à Roron, mais je pense pas qu'il lui manque beaucoup de plans. Regardez, c'est joli comme il a fait avec les cascades et juste en bas de la cascade avec les petits buissons. C'est très mignon. Du coup, il faut qu'on aille récupérer. Et vous allez voir, j'ai acheté un truc un peu particulier. Ça va être rigolo, histoire de rigoler un petit peu quand même. Hein. Hop là, ici, c'est comme ça. Je vous fais le tour quand même. Vous savez bien voir les petits recoins de son île. À mon avis, il va y avoir du cafard. Ah là là, oui, il y a du cafard. On va nettoyer tout ça. Hop là. Ok, bon bah, ces pièces ne sont pas toutes aménagées chez Roro. Mais du coup, bah, je peux peut-être vous faire visiter aussi. Hein. Bon là, il y a pas grand-chose. Ok, cette pièce-là, franchement, elle claque de ouf. Ah, voilà, je viens de m'en faire un. C'est une pièce de setup avec les serveurs informatiques, le robot géant. Franchement, cette pièce, elle claque de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup trop cette pièce. Je pense que c'est une des pièces que je préfère de chez lui. Vous avez vu ça? Franchement, elle claque. J'aime trop cette pièce-là. Ok, pièce suivante. On va aller ici. Ok, juste ici. Hop là. Je pense qu'à mon avis, c'était le début peut-être de son dressing. Qu'il a pas terminé. Mais bon, voilà, elle est plutôt vide, cette pièce-là. Mais je pense qu'à mon avis, c'était prévu pour que ce soit son dressing. Alors, j'ai cru voir tout à l'heure... Ah, viens par ici, petit cafard! Ok, hop là. Ok, on arrive dans sa salle de bain. Sa salle de bain, en plus, tu peux faire la fête dans sa salle de bain parce que tu peux te mettre de la musique et tout. Tu peux t'ambiancer dans sa salle de bain. En vrai, ça claque. Oh, peut-être que... Je suis pas sûre. Si, c'est bien une salle de bain. Parce qu'il y a le meuble à lavabo. Non, franchement, voilà. Tu peux te mettre de la musique et tu peux t'ambiancer. Petite ambiance un peu rose. Et puis, t'as vu sur les buildings. Franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Bon, cela dit, ma pièce préférée restait quand même la pièce de setup. Alors, on va aller à l'étage. Ok, ici c'est sa salle de jeu, j'aime bien cette pièce aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ici voilà, tu peux venir te détendre, tu peux te faire un petit billard, faire un baby-foot, et puis bah t'as tous les machines d'arcade, jeu de fléchettes, enfin vraiment il y a tout ce que tu veux, il y a même un bar, t'as les deux Switch, t'as envie de jouer avec la télé derrière, et puis aussi t'as soif, tu peux même te boire un coup, donc c'est plutôt cool, j'aime beaucoup cette pièce-là. Ok, dernière pièce de sa maison, et eh bien c'est son sous-sol ici, c'est sa pièce en vrai où il y a son trône, voilà, c'est le trône de mon chéri, sa pièce toute dorée, cette pièce elle est juste incroyable, hein. Il n'y a que des trucs dorés, elle doit, je sais pas combien, faudrait qu'on essaie de la chiffrer cette pièce, mais ça doit valoir pas mal de thunes avec les couronnes et tout qui sont accrochées, et bah voilà, t'es bien, hein. C'est son bureau en fait, c'est son vrai bureau celui-ci. Voilà la petite pièce bling bling de mon chéri. Ok, voilà pour cette petite visite très rapide, eh bien, ce petit home tour de la maison de mon chéri, la maison de Roro. J'ai récupéré les 4 choses que j'ai achetées chez les sœurs Doigts de Fée, et je vous dis pas ce que c'est, enfin si, il y a une chose que vous savez, et il y a 2 autres articles que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas non plus les couleurs, donc ça va être drôle, et on va vraiment les offrir au pif. Aux habitants, et ça va être rigolo, et puis il y a du cadeau troll, évidemment il y a du cadeau troll là-dedans, donc on a bien nos 10 paquets cadeaux, et bah c'est parti pour cette tournée de cadeaux auprès de ses habitants, ça va être trop rigolo, franchement ça va être super drôle, en tout cas j'ai hâte de voir qui va recevoir quoi. Alors hop, Néferti. J'ai l'impression que nos chemins se croisent beaucoup aujourd'hui. Bah ouais, en même temps, en plus, je n'avais jamais vu avant, donc ça faisait 6 mois que je t'avais pas vu, donc c'est pour moi. Voyons, tu n'aurais pas dû. Bah si, ma chérie, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Allez hop, on va lui offrir celui-ci. Ma foi, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Un kit électronique, il doit y avoir une erreur. Y a pas d'erreur. Ah là là, elle est contente quand même. Ok, c'est cool. Allez, une tenue de catch, magnifique. Ça, c'est exactement les genres de tenues que Roro, il adore en plus. Je sais pas s'il va la mettre, mais peut-être sur un prochain let's play, on portera la tenue là. Alors, est-ce qu'on a du monde par ici? Je pense que la Patty, elle est en train de pêcher. Est-ce qu'elle est encore par là, la Patty? Elle est encore là, regardez-moi ça.
Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien. Tiens, voilà, c'est pour toi. Waouh, c'est pour moi. Ouais, c'est pour toi. Alors attends, hop là. Ça doit être peut-être un circuit électronique aussi encore. Allez, ouvre! Un circuit électronique! Oh my god, elle est contente en vrai, hein? C'est une grenouillère! Oh bah écoute, magnifique! Incroyable cadeau! Merci Patty! Allez, des bisous! Alors, qui c'est qu'on a? Ah! Je sais pas si c'est la maison de qui ça. Oh, c'est Jennifer! Elle est en train de faire son sport! C'est beau chez elle, donc! Oh, super sympa sa maison! Oula, elle est en plein effort là! Tiens, Roro, c'est ça? Oh, elle se souvient plus de moi, je rigole! Ça roule comme tu veux, dis donc! Ça fait un paye! Ça fait un paye! Crin crin. Oh, c'est trop rigolo comme elle parle, elle. Je me suis tellement plongée dans le jardinage ces temps-ci, je n'ai même pas eu le temps de voir les potes. Ah oui, c'est vrai, c'est une grande sœur. Oui, bon, c'est vrai, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu, mais ça va, c'est pas grave, hein. Alors, oh zut, si on discutait, purée, c'est pas ça, je voulais t'offrir un cadeau. Ok, c'est incroyable, attends, vas-y. Alors, il y a quelque chose qui te plaît plus, une crin crin? Non, pas du tout, tiens, ça te ferait plaisir. Qu'est-ce que c'est? Alors, tiens. Super, c'est quoi? Un Chesterfield. Elle a eu la veste. Un sous à capuche simple. Ok, merci, c'est cool. Ah, regarde, attends, on va voir ce que ça donne sur elle. Oh my god, elle irait tellement bien avec Roscoe, elle. Allez, salut. Ok, on troll, mais on a le droit, hein. Allez, je crois que c'est chez Laura, ça. Eh ouais, c'est chez Laura. Coucou, toi. Oh, Roro, j'ai l'impression que tu as pris tes distances ces derniers temps. Non, ça fait juste 6 mois que je suis pas passée de voir. Il y a 7 mois. Ah, la pauvre. Attends, je t'offre un cadeau, ma coquette. Tiens, voilà, c'est pour toi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Eh ben, hop là, tiens. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est peut-être un circuit, encore. Un banc de muscu. Elle va l'installer chez elle. Elle va installer le banc de muscu chez elle. C'est tellement claqué au sol. Une banquette d'extérieur. Ok, merci. Allez, salut. Oh my god, ça va être claqué au sol. Elle va mettre le banc de muscu chez elle. Allez, on continue. Hey, coucou Rosanne. Waouh, ça pète chez elle. Wow, c'est flashy de ouf. Ah ouais, elle est méga rock'n'roll. Purée, elle vient de s'asseoir. Oh, elle s'est endormie, regardez-moi ça, elle est en train de pioncer debout. Une pizza avec de la pâte violette. Bah, une pizza, elle parle de pizza. Ta Pizza Hut juste derrière, Rosanne. Tu peux aller chercher une pizza si tu veux. Allez. C'est de nouveau toi, t'as oublié de me dire un truc, Rosas? Oh, tu papotes, on peut pas lui offrir. Oh non, dommage. Ah, quel dommage, on peut pas. Zut. Oh purée, bah c'est pas grave, la prochaine fois. Ok, ok, c'est incroyable ce que tu es en train de me raconter, Rosanne. Ok, je pense que c'est la dernière habitante qui est arrivée sur son île. Oh, on a gagné un point d'amitié. Allez, salut. Ok, bon, ma gogo était sur la place. Il est toujours là, il y a Noémie aussi, c'est parfait ça. Coucou. Alors, tiens, c'est pour toi. On va lui offrir celui-là. Qu'est-ce que c'est? Bah ouvre. Attends une seconde. C'est une tenue de chef. C'est la tenue de Patty. Oh purée. Ah, oh, ça va être drôle. Ah, regardez. Ça donne quoi? Ah, ça te va comme un gant. Merci encore, Oro. Tiens, voilà, un débardeur marathon. Bon bah lui c'est aussi claqué au sol ce qu'il m'offre. Oh purée, regardez ça, il a la robe de Patty. C'est drôle ou pas? Moi je trouve que c'est trop drôle. Allez, Noémie. Roro, ça fait un bail, t'étais où? Eh ben, j'étais occupée à faire des pack opening sur Brawl Stars. Ok, c'est incroyable. C'est génial ce que t'es en train de me raconter. Alors attendez. Attends, je vais lui ouvrir un cadeau. Oui, tu as quelque chose. Tu as quelque chose, Rocky? Oh, elle dit Rocky, c'est bizarre. Tiens, voilà, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on va lui choisir pour elle? On va lui donner celui-là.
Oh, mystère! Dis-moi pas que c'est, qu'est-ce que c'est? Un imperméable! Oh, elle a de la chance! Il est beau l'imperméable, il est très très beau, il va super bien lui aller. Ah là là, elle a eu de la chance grave. En vrai, franchement, ça déchire. Ça lui va bien, un fauteuil baseball nostalgie. Ok, merci. Et en vrai, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Ah là là, ça lui va super bien. Bon, elle est tellement belle, elle aussi. Combien de cadeaux il nous reste? Il nous reste 4 cadeaux. Qui c'est qu'on n'a pas croisé? Rosanne, 3 cadeaux, parce qu'en vrai, Rosanne, on peut pas lui offrir. Ah bah, ici. Mais ils sont tous chez eux. C'est incroyable, ils sont tous chez eux. Ok, on est chez Lico. Coucou Lico. Salut Roro. Ouais, ça fait longtemps, hein. Bon, allez, c'est pas grave. C'était au camping, Trottone. Que tu m'as invité, oui, ok. C'est vrai, il a eu Lico parce qu'il est venu dans son camping, en fait. Ok, c'est cool. Attends, je vais t'offrir un cadeau. Est-ce que je peux... peut-être que je peux pas lui offrir. Il a peut-être pas assez parlé. Ah, je peux pas. Dommage. Et ben, ça sera pour la prochaine fois. Qu'est-ce qui... Pff, oh là là, les films biologiques, autre genre. Oh zut. Ah mince, il faut écrire. Oh non, j'ai pas du tout envie d'écrire. On va dire 1, 1, 1, 1. Quoi? Attendez, on va lui écrire un truc comme ça. Voilà. Oui. Alors, je connaissais pas. Ok, c'est cool. Allez, salut. Est-ce que vous avez vu comme ça claque de ouf quand même chez Lico? Franchement, c'est trop beau. Hein. Bon, bah, du coup, qui c'est qu'on n'a pas vu? Oh oui, c'est Mathéo. Regardez chez lui, c'est de l'eau. Salut Roro, on s'est plus croisé depuis une éternité, voire plus. Eh ouais, je sais, ça fait 7 mois ma cocotte, hein. Mon coco plutôt. Ok, est-ce que je peux lui offrir quelque chose à lui? Ok, c'est incroyable, tu fais quoi? Allez, il va me filer son plan. Une paire de sandales, ça y connaît déjà, c'est sûr. De Solero Or. Et bah dis donc, quelle chance! C'est incroyable! Il va filer un plan de ouf! Est-ce que moi, Mathéo m'a déjà filé un plan comme ça? Je suis pas sûre, hein. Aïe, 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 je suis pas sûre du tout, hein. Alors tiens, ça te ferait plaisir. Allez, on va lui offrir celui-là. Je pense que c'est le frigo américain. Il a de la chance. C'est peut-être parce que c'est mon chouchou, hein. Le frigo américain. En plus, il a plein de place chez lui, il va pouvoir le mettre. En tout cas, le Mathéo de l'île de Roro, je sais pas ce que vous en pensez, mais il a vachement bien décoré son intérieur de chez lui par rapport à celui de chez moi. Allez, salut! Bon, du coup, il y a qui? Il y a Rosanne et Lico, à qui on n'a pas pu offrir, donc deux. Donc il nous manque quelqu'un. À qui on n'a pas offert son cadeau? J'arrive pas à... Ah bah Monica, bien sûr! Lève-toi! Roro, quelquefois je t'aperçois, mais je viens plus jamais, tu viens plus jamais me parler. Oh la pauvre, en vrai les pauvres, hein, faudrait que je passe quand même plus souvent les voir. Ok, c'est incroyable ce que t'es en train de me raconter, moi je voudrais juste offrir un cadeau. Attends. C'est toujours sympa de te voir. Elle est en petite robe d'été alors qu'il neige, t'as pas froid comme ça? Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on va lui offrir? Eh ben celui-là, ça doit être un vêtement ça je crois. Bah comme ça, peut-être qu'il doit rester un truc chaud, je crois. Ah, le Chesterfield! Sans blague! En vrai et tout! Vas-y, essaye-le! Oh purée, c'est drôle! C'est un chandail nordique! Ok, c'est génial! C'est exactement le style de Roro, ça. Bon, ça va, en vrai, ça lui va pas trop mal. Mais bon, ça fait un peu garçon, quoi. Bon, et bah c'est parfait. On a offert tous les cadeaux qu'on voulait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller enlever tout ce qu'il y a dans mon inventaire. Et puis, je vais commencer à faire. Et puis, je vais faire des allers-retours. Et comme ça, je vais me ramener. Je vais dépouiller son compte en banque. Hein. Je vais récupérer de la thune parce que j'ai besoin de thune. Hein. Ok, c'est parti, on part sur Kibi Island pour déposer, eh bien, toutes les clochettes. Ah, ça y est, on survole Kibi Island, j'ai toutes les clochettes. On va faire peut-être deux petits allers-retours. Comme ça, eh bien, ça me fera 4 millions plus 4 millions, 8 millions de clochettes en tout qu'on récupère
de l'île de Romain. Et oh, c'est pas mal en vue comme ça. Ah là 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 là. Quoi? J'ai été me servir dans ton compte en banque. Ton compte en banque de quoi? Ah, d'Animal Crossing. Quoi? J'avais plus de thunes. Je me suis occupée de tes habitants par contre. Hein. J'aurais la police d'Animal Crossing. Oh zut, je me suis fait crier. Oh purée. Au moment où je rentre. Ah, ça va, tu peux. Il arrivait juste au moment où j'ai dit ça. Allez, on va commencer à déposer juste par ici. Hop là, on va se mettre là. Regardez-moi ça, 4 millions de clochettes. Franchement, ça va grave m'aider. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, mais tu vas voir, oh là là, t'as rasé toute ton île et tout, mais oh là là, ça va te coûter une blinde. Et effectivement, ça coûte extrêmement cher, mais heureusement, mon chéri, il est là, et il est blindé, mon chéri, il a plein de thunes dans son compte en banque, autant me servir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouvais que c'était une très très bonne idée. Voilà, au moins, bon bah, c'est fait, quoi. Ok, je suis sur la fin. Ah mince, il n'y a plus de place. En plus, je peux me faire un sac en plus ici. 99 000. Voilà, comme ça. Mais vraiment, je prends tout ce que je peux. On va les déposer juste ici. Ah là là. En fait, j'ai dit que j'allais faire que deux allers-retours. Et que j'allais prendre donc 4 000 et 4 000. Donc, ça faisait 8 000. Mais finalement, j'ai fait un troisième aller-retour. Je me suis dit, tant que j'y étais, eh ben, autant en profiter. Allez, le retour d'Ororo sur Whitsunday. J'espère que ça vous a plu de faire un petit tour sur son île. Et moi, je vous retrouve tout de suite avec Kibi sur Kibi Island. Haha, et ben voilà, nous voilà sur Kibi Island. Et regardez-moi ça. J'ai fait le plein de clochettes. Je me suis servie sur l'île de Romain. Bah ouais, tant qu'à faire, regardez-moi ça. J'ai tout récupéré, j'ai fait 3 allers-retours comme je vous l'ai dit, et donc du coup j'ai récupéré 12 millions de clochettes, et franchement c'est trop cool, ça va grave m'aider. Je vais vous montrer un petit peu où en est mon DAC, et je vais vous montrer après avoir rempli avec l'argent de Roro. Ok, comme vous pouvez le voir, je suis à 2 600 021 clochettes et des brouettes. Et donc, eh ben, je vais re-remplir et je vous montre juste après ce que ça donne. Ok, on est dans mon DAC et je fais le dernier dépôt de clochettes. Et donc, hop là, je dépose ça encore. Et du coup, bah, je passe à 14 794 14 000 clochettes et des brouettes. Ah là, je suis trop contente. En vrai, je n'avais pas tout à fait bien calculé. Il me restait à peu près 3 millions. Donc du coup, et bah, écoutez, je suis très 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 contente de me refaire un petit peu. Merci Roro. Vous savez quoi, je vais retirer un tout petit peu parce que du coup, je suis un peu avide. Là, on va prendre 99 000 clochettes. Allez. Non, 99 000 clochettes. Allez hop, comme ça c'est fait, j'aurai un petit peu de thunes pour aujourd'hui sur moi. Et bah du coup c'est cool. Et les travaux ça coûte cher, hein. Mais oui les cocos, ça coûte hyper cher de faire les travaux. En tout cas, un grand merci à Roro de nous avoir prêté toute cette thune-là. Enfin, en vrai, il ne nous les a pas vraiment prêtés. On a été un petit peu lui piquer dans son compte en banque. Mais bon, ça va, moi j'ai plein de travaux à faire sur mon île. Et puis à chaque fois, je me loupe, je déplace une maison, je la redéplace et tout ça. Je détruis un pont, j'en reconstruis un. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup de clochettes. Et du coup, j'en avais vraiment besoin. Je pense qu'il comprendra. En tout cas, un grand merci à lui eh bien, de nous avoir laissé nous servir dans son compte en banque. En même temps, je me suis aussi un petit peu occupée de ses habitants. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas, à mettre des petits pouces bleus. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche, comme ça vous avez les notifications des lives et des vidéos. Et moi, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo, sur un live. Des bisous les kibichis.